Compétitivité des produits agricoles burkinabés sur le marché international, les acteurs se forment sur les bonnes pratiques en la matière. Une formation axée sur les effets néfastes des aflatoxines et les moyens de riposte. C'est le seul titre de cette édition. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Des acteurs du monde rural sont en formation à Bobo-Dioulasso, organisée par le comité interprofessionnel des céréales et du niébé. En partenariat avec l'INERA et le PAFASPE, cette formation est axée sur les effets néfastes des aflatoxines et les moyens de riposte. Une formation qui vise à rendre les produits burkinabés plus compétitifs sur le marché international. Depuis Bobo-Dioulasso, le reportage de Karim Ilboudo et Ali Traoré. Ils sont tous des acteurs du CICB, le Comité interprofessionnel des céréales et du niébé du Burkina Faso. Venus des quatre coins du pays, ils se forment sur les bonnes pratiques agricoles afin d'être plus compétitifs sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous voulez vendre à une institution qui est bien organisée, telle que le PAM, ils font d'abord un test qu'on appelle le test de prélèvement sur pour voir si vos produits ne sont pas attaqués de la aflatoxine. Et quand ils sont attaqués, le marché, vous le perdez. Donc c'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs, nous voulons d'abord donner cette formation aux acteurs pour que depuis les champs, que les producteurs puissent prendre les précautions nécessaires qu'il faut. Durant 48 heures, cette formation initiée en collaboration avec le PAFASPE et l'INERA va permettre aux participants d'acquérir des notions sur la conservation de leurs produits agricoles. Et au niveau aussi des commerçants, que les commerçants puissent stocker les céréales dans de bonnes conditions. Et au niveau de la transformation, que tout le monde puisse faire le travail qu'il doit faire pour que les consommateurs puissent gagner des produits sains. Le CICB, qui est au centre de cette rencontre, espère que ces acteurs seraient plus aptes à faire face aux défis du moment à l'issue de la formation. Le réseau EVA, enfants et VIH en Afrique, plaide pour une meilleure prise en charge des enfants atteints du VIH-SIDA. Il a organisé une rencontre de mobilisation de ressources à leur profit. On en sait davantage avec Yacouba Gamene et Aimé Solange Digma. Ces pédiatres de l'Afrique francophone entendent à travers ce cadre d'échange faire un plaidoyer à l'endroit des acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH-SIDA. L'objectif est de susciter l'engagement et la mobilisation de tous les partenaires pour une amélioration du traitement des enfants infectés. L'initiative est du réseau EVA Enfants et VIH en Afrique, dont les chiffres font état de 13 000 enfants infectés au Burkina, parmi lesquels 3 472 enfants qui sont ce qu'on appelle dans la file active, c'est-à-dire qui sont suivis. Et il y a 2 486 qui sont sous traitement. Il y a beaucoup d'enfants encore qui restent sans diagnostic, qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne sont pas pris en charge, par conséquent avec une mortalité qui est élevée. Donc une mobilisation à l'endroit des partenaires, que ce soit les acteurs sur le terrain, que ce soit les partenaires techniques et financiers, pour en tout cas soutenir ces actions. Des actions qui se déclinent entre autres à la prévention de la transmission mère-enfant et au dépistage précoce. Pour atteindre l'objectif zéro enfant infecté, un guide a été élaboré. Il propose des algorithmes pour le traitement, pour le diagnostic. Il propose aussi le traitement pour les maladies opportunistes qu'on voit souvent chez les enfants qui sont atteints par le VIH. Le réseau EVA Enfants et VIH en Afrique bénéficie de l'expertise de l'hôpital Necker en France. Nous ne restons pas insensibles aux difficultés qu'il y a ici à mettre en place les traitements, à suivre les enfants. Nous avons une certaine expérience au nord qui est différente de celle des pays du sud, mais elle est complémentaire et elle peut être utile en même temps que l'expérience de nos collègues nous est utile aussi. Donc c'est un échange permanent d'expérience et qui s'est concrétisé par ce réseau EVA qui fonctionne très bien. Ces pédiatres vont en une journée s'imprégner du guide EVA et échanger sur les recommandations du séminaire de Marrakech en vue de booster la prise en charge pédiatrique de l'infection à VIH en Afrique francophone. La 5e édition des 12 personnalités de l'année aura lieu le 28 janvier prochain. L'annonce a été faite par le comité d'organisation. La manifestation distingue les 12 personnalités qui auraient marqué le secteur de la culture au Burkina Faso. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Yacouba Gamene, Mariam Dao et Bouma Ernest Anébié.
Le but de cette conférence de presse est d'annoncer la 5e édition des 12 personnalités culturelles de l'année qui aura lieu le 28 janvier prochain. Une soirée gala au cours de laquelle des trophées seront décernés à ces personnalités. Les 12 personnalités culturelles de l'année, c'est une activité, c'est un spectacle, c'est une manifestation, c'est une soirée de gala qui magnifie avant tout d'abord les acteurs culturels. C'est né justement du fait que tout au long de l'année, les acteurs travaillent beaucoup, ils sont sur le terrain, comédiens, musiciens, artistes, cinéastes, mais ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer. Donc on a donc décidé de nous retrouver autour d'un pot et puis célébrer un peu l'année qui s'est écoulée. Quand on dit 2016, c'est tout simplement les personnalités qui sont illustrées tout au long de l'année. Ce n'est pas les meilleurs, contrairement à ceux qui pensent, c'est uniquement les personnes qui sont illustrées dans chaque domaine. Les 12 catégories nominées sont entre autres le journaliste culturel de l'année, l'artiste musicien, le metteur en scène et le chorégraphe. Le secteur du tourisme est aussi pris en compte à cette édition. Nous avons saisi l'opportunité du fait que les trésors du FASO se sont déroulés dans les 13 régions et nous avons pu identifier quand même certaines valeurs touristique là-bas, pourquoi ne pas justement à travers justement les 12 personnalités culturelles identifier également soit les sites touristiques ou bien le guide ou bien l'artiste plasticien qui nous aura beaucoup plus marqué. Pour la présente édition, plus de 1000 personnes sont attendues. Direction à présent la cité des banquets où une cinquantaine de policiers a été promue à un grade supérieur. L'ancienneté et le travail ont concouru à cette promotion. Une promotion qui sonne comme un défi pour ces policiers. Le récit de la cérémonie de port de galon avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Ce sont plus de 50 policiers qui ont été promus à des grades supérieurs ce lundi à Dédougou. Ces grades vont d'assistant à commissaire divisionnaire. Des moments de joie pour ces policiers élevés à des fonctions plus hautes. En même temps, des défis se présentent. Ça me donne plus confiance, ça me réconforte parce que je me dis que c'est le travail qui a payé. Ce matin, mes sentiments sont des sentiments de joie, de fierté. Personnellement, d'abord, le défi, c'est d'être toujours à la hauteur de la confiance qu'on a mis en moi. De travailler toujours à mériter le galon qu'on m'a donné parce que je ne dois pas dormir sur le laurier en me disant que parce qu'on m'a élevé au grade supérieur, donc je dois travailler encore parce qu'il me reste encore d'autres galons qui sont devant à pouvoir les atteindre. Ainsi, ces policiers portent désormais de nouvelles charges à travers ces galons. Ils ont reçu les encouragements de leurs supérieurs qui les invitent à redoubler d'efforts. L'avancement des grades, c'est suivant l'ancienneté. Et il faut y combiner toutes les appréciations, notamment les notes de vos supérieurs hiérarchiques, votre comportement par rapport à la discipline et des formalités qui viendront après quand on vous promeut à un nouveau grade. C'est-à-dire que vous avez des nouvelles fonctions, plus de responsabilités. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure que je ne félicitais pas, mais que j'encourageais. Parce que celui qui a des charges, il faut l'encourager à persévérer, à aller de l'avant. Ces nouveaux promus seront formés plus tard pour leur permettre de pouvoir exercer leurs fonctions de façon professionnelle, selon le directeur général des écoles de police. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon début de week-end à tous.